Vous m'entendez? Oui. Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire consacré donc au compte personnel de formation. Donc nous allons le commencer. Il est 14 h 01. Donc avec moi, Madame Delgrange, qui va vous présenter du coup et qui va introduire ce premier webinaire sur le compte personnel de formation organisé par la NFH Hauts-de-France. Oui. Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à répondre positivement sur la proposition d'un cycle de 3 webinaires portant sur un sujet qui revient d'actualité pour 2 raisons, puisque il est question effectivement du compte personnel de formation et de la réactivation de ce compte auprès de l'ensemble des agents. Et également, il est question aussi du sujet dans le cadre des entretiens professionnels sur le nouveau format proposé pour la campagne 2021. Donc le sujet semble prégnant et nous avons donc sollicité Monsieur Vincent Cibois du cabinet Beaumandil pour animer ce webinaire. Donc le premier webinaire s'adresse à toute personne chargée de l'information sur le CPF auprès des agents, de sorte à pouvoir renseigner au plus près les agents sur la manière de pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et ensuite, donc, d'autres webinaires plus dédiés sur le déploiement du CPF dans la politique et stratégie formation de l'établissement. Et également, donc, le troisième webinaire sur la politique RH et formation. Voilà, donc bienvenue à tous pour ce webinaire qui se veut être dans un format très court. Les participants ne se voient pas. Nous sommes, Vincent Cibois et moi-même, uniquement visibles sur la caméra. Pour ce qui concerne le déroulé de ce webinaire, bien évidemment, donc, nous sommes à l'écoute des questions que vous aurez et que nous vous demandons de poser par écrit dans l'onglet Converser, si vous le voyez sur le bas de votre écran, de sorte à reprendre les questions en bouclage de ce premier webinaire. J'espère que tout le monde a pu réussir à se connecter et nous allons pouvoir démarrer la présentation. Bien, merci. Donc, je suis effectivement donc Vincent Cibois, donc consultant juriste et formateur au sein du cabinet Beaumandil et Consultants. Donc, nous sommes un cabinet spécialisé dans le droit de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons été donc retenus par la NFH Hauts-de-France pour du coup animer ce webinaire d'une durée d'environ 1 heure, hein, 1 heure, 1 heure et quart, d'autant plus que tout dépendra en fait du nombre de vos questions que vous aurez à nous poser du coup hein, tout au long de ce webinaire hein, via l'onglet chat ou questions-réponses. Et donc on consacrera du coup un certain temps en fin de webinaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez vraiment pas. Au cours de ce webinaire également, hein, donc on va vous proposer d'y participer à travers également des sondages qu'on va vous soumettre pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre connaissance sur le compte personnel de formation, qui est un dispositif hein, qui est encore assez jeune puisque il est en place dans la fonction publique du moins depuis 2017 et puis dans le privé depuis 2015. On est sur un dispositif qui est jeune mais qui prend de l'ampleur, qui se développe. Et donc c'est tout l'intérêt de faire ce webinaire aujourd'hui et puis de voir justement où est-ce que vous en êtes par rapport à ce niveau d'appropriation. Puisque le thème de ce webinaire numéro 1 est donc l'alimentation, la mobilisation et la portabilité des droits des agents de la fonction publique hospitalière. Alors peut-être pour commencer dans le vif du sujet de ce premier webinaire, donc dans une série de 3 webinaires comme Madame Delgrange vous le présentait, peut-être pour commencer ce premier webinaire, et bien vous posez une première question
qui est du coup, qui va apparaître hein, sur vos écrans, qui est finalement aujourd'hui, avez-vous déjà consulté vos droits sur votre compte CPF? Donc vous pouvez directement y participer, hein, normalement ça doit s'afficher, effectivement vous avez déjà 40% à y avoir participé. Question simple pour commencer, est-ce que vous avez déjà consulté vos droits sur votre compteur CPF? Alors, en fonction de l'applicatif, si vous êtes sur l'application Zoom ou si vous êtes sur Internet, et en fonction des navigateurs, Internet Explorer, Chrome, etc., les affichages ne sont pas forcément les mêmes. Donc, peut-être que certains doivent ouvrir une autre fenêtre éventuellement, mais normalement, ça doit s'afficher directement sur votre écran. Donc, vous avez 80%, 85% de répondants. Allez, encore 5 secondes. Il manque 5 personnes qui ont répondu, qui n'ont pas répondu. Allez, on atteint les 93%. Je clos le sondage. Et donc, je vais vous partager du coup les résultats. Donc, on est sur 70% hein, des personnes, en tout cas assistant à ce webinaire aujourd'hui, qui ont consulté vos droits, les droits CPF. Donc, on est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon score par rapport à la moyenne de de la population française. On le verra hein, tout à l'heure, on vous posera d'autres types de questions sur ce compte personnel de formation. Alors, rentrons peut-être dans le vif du sujet, avec, pour commencer, les principes d'action du compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, quelques principes d'action. Vous savez, le CPF est venu remplacer le DIF, le droit individuel à la formation, qui s'est arrêté donc au 31 décembre 2016, qui était donc des droits dédiés à la formation en heure, gérés par chacun des employeurs publics directement au sein de son service RH. Le compte personnel de formation, le CPF, donc, est également donc un compteur de droits en heure qui s'applique depuis le 1er janvier 2017, qui est venu remplacer donc le DIF et qui est alimenté et géré directement par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, telle qu'on l'appellera ensuite dans ce webinaire. Et donc cette CDC, cette Caisse des dépôts et des consignations, vient alimenter chaque année le compteur de chacun des agents, de chacun des actifs de France, hein, puisque le CPF aujourd'hui est universel et concerne l'ensemble des actifs de France, que l'on soit agent de la fonction publique, mais également indépendant, salarié du secteur privé, demandeur d'emploi, etc. Et donc, c'est une nouveauté par rapport à avant. L'employeur n'a rien à faire, mais également l'agent public de la fonction publique n'a rien à faire sur son compteur. On le verra tout à l'heure, puisqu'il est alimenté, géré et décrémenté ensuite directement, automatiquement. Au niveau du compte personnel de formation, donc il est venu remplacer le DIF du secteur public depuis le 1er janvier 2017, hein, on en parlait. Et donc, ce remplacement du coup a généré potentiellement du coup la fin hein, du DIF. Pour autant, les heures DIF acquises au 31 décembre 2016 ne sont pas perdues puisque chaque employeur public avait l'obligation c'était une de ses responsabilités, de rapatrier avant le 15 octobre 2018 les droits DIF acquis pour ces agents présents dans l'effectif hein, de l'établissement au 31 décembre 2016. Et donc, il y avait deux campagnes à faire avant le 15 décembre 2018. Une campagne qui était notamment pour les contractuels de droit public et également une campagne pour les agents titulaires, où là, il y avait un tableau qui était déjà pré-rempli pour ces agents titulaires de la fonction publique. Et donc, c'était à chacun des employeurs de rapatrier les droits DIF acquis pour les agents publics présents dans leurs établissements au 31 décembre 2016, date de la fin finalement du DIF. Et donc, les employeurs avaient donc deux campagnes à le faire avant le 15 décembre 2018. Et donc, depuis finalement cette réintégration, eh ben, en fait, les droits DIF sont devenus des droits CPF, puisqu'ils ont été intégrés directement
Et si vous allez consulter justement vos droits CPF, vous avez une petite ligne droit DIF et ils ont été intégrés dans votre compteur CPF et vos droits DIF sont devenus, en tant qu'agent de la fonction publique du moins, vos droits DIF sont devenus des droits CPF qui vivent leur vie au même titre que les droits CPF. Et donc, à ce titre, ils finalement comptent pour l'acquisition des droits CPF et pour l'acquisition du plafond, notamment des droits CPF. Si vous n'avez jamais utilisé vos droits DIF et que vous êtes agent de la fonction publique depuis 10 ans, par exemple, et ben les droits DIF qui ont été rapatriés, puisque c'était 120 heures maximum au niveau des droits DIF, puisqu'on acquérait 20 heures par an, et donc au bout de 6 ans, on avait le plafond si vous n'utilisez pas. Les 120 heures plus les droits CPF que l'on a acquis depuis 2017, vous êtes déjà, potentiellement, même peut-être sans le savoir du coup, vous êtes déjà à votre plafond CPF. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les heures CPF. Alors, finalement, si les droits n'ont pas été alimentés, si éventuellement il y a une erreur d'alimentation ou un oubli d'alimentation, les droits, pour autant, ne sont pas perdus. Vous n'avez rien à faire en tant qu'agent ou en tant qu'employeur. Les heures DIF ne sont pas perdues. En fait, ce qu'il faudra faire, c'est au moment où l'agent, vous en tant qu'agent, allez faire un dossier, une demande de dossier CPF, dossier formalisé, écrit par papier. Si éventuellement vos droits DIF n'ont pas été alimentés, il faut d'abord aller consulter votre compteur CPF avant. Si vous voyez que les droits DIF n'ont pas été alimentés ou pas correctement alimentés selon vous, eh bien, il suffit simplement de ressortir votre attestation que votre employeur public vous a fournie à la fin du droit DIF, puisque l'employeur public avant avait l'obligation de vous informer annuellement, fin de l'année ou début d'année suivante, de l'état de votre solde d'heure DIF. Il suffira, du coup, au moment du dossier de CPF, d'intégrer dans votre dossier cette attestation. Alors, ça peut être une attestation à part dédiée ou ça peut être éventuellement sur votre bulletin de paye, de soit décembre ou janvier, début d'année d'après, hein, où vous avez une petite ligne compteur solde d'heure DIF. Ça peut être sur les deux formats. Il suffira de la joindre en fait à votre dossier CPF. Et au moment en fait où on enlèvera votre compteur CPF à la fin de votre formation, on fera un plus et un moins, c'est-à-dire qu'on rapatriera vos droits DIF, c'est la Caisse des dépôts qui le fait, hein, c'est ni vous ni l'employeur, c'est la Caisse des dépôts à partir de ces informations-là que l'employeur transmettra à la NFH et que elle-même la NFH transmettra du coup à la Caisse des dépôts, c'est la Caisse des dépôts qui fera plus et moins, c'est-à-dire qu'elle rapatriera les heures DIF qui ont été oubliées éventuellement ou qui ont incorrectement finalement été alimentées. Et puis, vous les enlèvera puisque vous les aurez utilisés pour votre dossier CPF. Donc, il y aura une manip qui sera faite directement. Vous n'avez rien à faire, vous, à la fois en tant qu'établissement, mais également en tant qu'agent de la fonction publique. Et donc, les droits DIF ne sont pas perdus. Hein, ça, c'est l'information bien à retenir et qu'il faut bien conserver, du coup, les dernières attestations de droits DIF, donc de fin 2016 ou éventuellement de début 2017. Des fois, c'était logé dans le bulletin de paye de janvier. Des fois, janvier, février, le temps de bien comptabiliser les compteurs de droits DIF de fin d'année. Donc, en tant qu'agent et en tant qu'employeur, vous n'avez plus rien à faire. Et si vous voyez passer éventuellement une campagne d'information du ministère du Travail, notamment, ou de la Caisse des dépôts, qui vous dit de bien rapatrier les droits DIF avant le 30 juin de cette année, sinon ils seront perdus, ça ne concerne, cette campagne de communication ne concerne que les salariés du secteur privé. Donc, les droits DIF du secteur privé qui étaient en fait valables jusqu'au 31 décembre 2014, puisque le CPF dans le secteur privé s'est mis en place depuis le 1er janvier 2015. Donc, on est 2 ans avant finalement. Mais vous n'avez vraiment rien à faire, du moins pour le DIF, le droit individuel à la formation, dans le secteur public. Rien à faire, hein. C'est au moment vraiment de la mobilisation de vos droits CPF et au moment où vous allez formaliser un dossier par écrit auprès de votre employeur, on va voir dans le process tout à l'heure comment ça se passe concrètement, c'est à ce moment-là qu'il faudra faire du coup le rapatriement des droits DIF si éventuellement l'employeur ne l'avait pas fait en 2018. Mais la majorité l'a fait et donc vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus. Alors, peut-être un deuxième sondage. On vous propose du coup un deuxième sondage du coup,
Par rapport justement à ce compteur, à ce compte personnel de formation, vous devez avoir un deuxième sondage qui doit apparaître. Finalement, en tant qu'agent ou représentant du personnel, parce qu'on a plusieurs populations aujourd'hui qui assistent à ce webinaire, quelles sont vos interrogations sur le CPF avant de rentrer dans le vif du sujet? Est-ce que c'est des questions, et du coup vous pouvez cocher plusieurs cases, hein, est-ce que c'est des questions qui sont plutôt sur l'éligibilité? Hein, public, ancienneté, etc. Les droits possibles éventuellement, l'alimentation, la mobilisation, les modalités opérationnelles du CPF. Est-ce que ce sont des questions plutôt qui ont attrait au financement des droits CPF? Est-ce que c'est plutôt éventuellement l'application mobile et le nouveau site internet, hein, moncompteformation.gouv.fr? Ou est-ce que vous avez éventuellement, alors et où, est-ce que vous avez éventuellement des questions sur la portabilité entre secteur privé qui a basculé donc avec des droits CPF en euros maintenant, et le secteur public qui a des droits en heures et qui continuera à avoir des droits en heures sur le compte personnel de formation. Voilà, encore quelques secondes pour ce sondage, on vous laisse répondre. Donc on est déjà à 70% de votants. Encore quelques secondes. Ça me permet effectivement de préciser, comme Madame Delgrange l'a fait sur le chat, que nous vous communiquerons du coup le support, hein, de ce webinaire et puis on mettra également le replay du webinaire sur la chaîne YouTube notamment. La NFH vous le mettra à votre disposition. Voilà, ça permet également de répondre aux questions qui sont sur le chat. N'hésitez pas à poser du coup vos autres questions éventuellement dans le chat sur lesquelles on reviendra en fin de webinaire. Allez, on est à 90% de réponses. Encore 2-3 secondes. Et on va mettre fin au webinaire, au sondage. Hop. Et je vous partage du coup les résultats. Donc, on a deux thèmes, hein, principaux qui ressortent. C'est comment on mobilise finalement les droits CPF et comment ils sont financés. Et puis le troisième thème, ce sont les modalités opérationnelles du CPF concrètement. Comment on utilise et comment on mobilise nos droits CPF? Ben, ça tombe bien, ce sont les thématiques du jour. Sur le volet financement, il y aura donc un webinaire qui sera vraiment détaillé sur le financement, mais plutôt à vocation des dirigeants, directeurs d'établissement, des directeurs des ressources humaines, des responsables formation. De la semaine prochaine, on va vraiment s'atteler à aller plus finement dans le financement. Mais on va également l'aborder aujourd'hui. Alors, si on rentre du coup sur le compte personnel de formation, aujourd'hui, donc il a remplacé le DIF, on est sur un droit donc, qui concerne l'ensemble des actifs de France, peu importe les secteurs, et c'est un compteur qu'on a de 16 ans jusqu'à la liquidation de l'ensemble de ses droits à la retraite. À partir du moment où on a 16 ans, en fait, on a un numéro de sécurité sociale et le compte personnel de formation est rattaché au numéro de sécurité sociale. D'ailleurs, au moment de l'inscription et de la connexion, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Et donc, à partir de 16 ans, on a tous un CPF, même si on ne commence pas à travailler à 16 ans, on a tous un CPF qui est ouvert et qui s'alimente. Pas besoin de l'activer, pas besoin de s'y connecter pour qu'il commence à s'alimenter. Il va s'alimenter automatiquement dès l'âge de 16 ans jusqu'à la liquidation des droits à la retraite. Une fois qu'on liquide l'ensemble de ses droits à la retraite, le CPF se clôt puisqu'on est sur un compte personnel de formation qui a pour objectif de former des actifs pour des formations, hein, dans le cadre de son parcours d'évolution professionnelle. Il concerne l'ensemble des agents de la fonction publique, peu importe que l'on soit titulaire, contractuel, que ce soit en CDI d'ailleurs ou en CDD, ou stagiaire. Il n'y a pas de durée minimale, hein, d'exercice dans la fonction. Il concerne l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière. Une exception, ce sont les professions médicales, hein, qui n'ont pas de CPF. Alors, l'exception sont les sages-femmes. Je sais qu'il y a des débats autour de la profession médicale des sages-femmes. En tout cas, les sages-femmes ont un CPF et les professions médicales n'ont pas de CPF. Il y a d'autres populations de la fonction publique, hein, les militaires, les magistrats notamment, qui n'ont pas de CPF, mais sinon, globalement, ils concernent l'ensemble des actifs de France. Et du coup, attention, une petite vigilance pour les agents qui auraient éventuellement un contrat de droit privé
dans les établissements de la fonction publique, notamment de la fonction publique, notamment par exemple les contrats d'apprentissage, les apprentis, ceux qui seraient éventuellement en contrat d'avenir, les emplois d'avenir, les parcours emploi compétences, les anciens contrats aidés, les contrats d'insertion éventuellement, tout ça, ce sont des contrats de droit privé. Et à ce titre, ils ont du CPF qui, du coup, sont régis par les règles du secteur privé et donc un CPF en euros mobilisable selon les règles du CPF du secteur privé directement sur l'application Mon Compte Formation. On y reviendra tout à l'heure, notamment dans le cadre de la portabilité des droits. Mais en tout cas, ce sont donc des agents de la fonction publique avec un contrat privé qui ont donc un CPF de droit privé. Les principes d'action au niveau du CPF, c'est la portabilité. Le CPF est attaché à la personne. Je prends souvent l'image d'un sac à dos. On a un sac à dos, on garde notre sac à dos de droits dans lequel on empile nos droits finalement au fur et à mesure de nos employeurs. Et puis quand on change d'employeur, notre sac à dos nous suit et on arrive dans le nouvel employeur avec notre sac à dos riche de droits dédiés au CPF. Et donc, il va finalement pouvoir s'appliquer chez le nouvel employeur, que l'employeur d'ailleurs soit privé ou que l'employeur soit public. Si on change d'employeur et si on devient éventuellement indépendant ou si on veut créer éventuellement un cabinet libéral, et bien en tant qu'indépendant, on peut utiliser ses droits CPF acquis lorsque l'on était agent de la fonction publique. C'est possible. Et inversement, si demain, aujourd'hui par exemple, vous êtes infirmier libéral et que vous venez travailler éventuellement dans un établissement de la fonction publique, alors soit un temps partiel ou un temps plein, vous pouvez du coup utiliser vos droits que vous avez acquis en tant que libéral dans l'établissement du secteur de la fonction publique. Donc, c'est vraiment la portabilité. Et le deuxième, finalement, le corollaire et le deuxième principe qui va avec, c'est l'universalité. C'est-à-dire que peu importe qui on est, à partir du moment où on est actif ou on travaille, on acquiert des droits en fonction de son activité. Si on ne travaille pas, on n'a pas de droit à CPF, de droit à la formation. Il y a d'autres mécanismes qui existent pour les demandeurs d'emploi. Si on travaille, on a des droits de CPF qui sont portables et qui sont universels, peu importe qui on est, peu importe le secteur dans lequel on travaille. Et donc, on le verra notamment les règles de conversion, puisque dans le secteur privé, ils sont devenus des euros, là où les droits CPF dans le secteur public restent en heures et resteront, en tout cas dans un court et moyen terme, en heures. Et donc, on verra les règles de conversion. Troisième principe, c'est l'universalité, l'initiative personnelle. On est bien sur un compte personnel, mais d'initiative personnelle. On n'est pas ni sur un droit, ni sur une obligation. On n'est pas sur un droit opposable à l'employeur public. Dans la fonction publique, on est sur un droit pour l'agent, mais qui n'est pas opposable à l'employeur, puisque dans le process d'utilisation et de mobilisation de son droit dans la fonction publique du moins, il faudra faire une demande auprès de son employeur public pour utiliser son CPF. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le secteur privé. Et ça, c'est une petite subtilité dans la fonction publique qui est aussi cruciale au niveau de la procédure, des modalités opérationnelles d'utilisation et de mobilisation du compte personnel de formation. Tous les agents, à partir du moment où ils veulent utiliser son CPF, ils doivent demander l'autorisation et la mobilisation auprès de l'employeur. Il n'y a qu'une seule possibilité d'opposabilité finalement à son employeur, c'est lorsqu'on prépare une formation socle de connaissances et de compétences, c'est-à-dire le français, savoir écrire, lire, apprendre à compter, l'informatique également, apprendre, c'est ce qu'on appelle le certificat CLEA ou compétences clés développé par la NFH. Donc, on est bien sur un droit, mais qui n'est pas un droit opposable, et donc on est bien sur une initiative finalement personnelle de l'agent, et ce n'est pas non plus une obligation de se former et de l'utiliser, comme pourrait être éventuellement le DPC avec une régularité, etc. Quatrième principe structurant, c'est l'évolution professionnelle. C'est un terme, comme disait Madame Delgrange, c'est un terme qui vient avec notamment le déploiement de l'entretien professionnel. L'évolution professionnelle est un des sujets qui se développe dans la fonction publique et notamment dans la fonction publique hospitalière, puisque le CPF, quoi qu'il arrive, devra se mobiliser dans la fonction publique dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. On ne pourra pas l'utiliser pour une formation, je dirais, lambda,
qui n'est pas rattaché à un projet d'évolution professionnelle. Donc, la première question à se poser si on veut mobiliser son CPF, c'est quel est mon projet d'évolution professionnelle? Et comment finalement je le construis? Quel est-il? Quelles sont les conditions de mobilisation? Quelle est la perspective? Comment je me projette dans ce projet d'évolution professionnelle? Et on verra derrière ce qui se cache derrière ce type de projet d'évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut y mettre derrière ce terme? Donc voilà pour les principes d'action au niveau du compte personnel de formation. Sur l'alimentation des droits du compte personnel de formation, donc qui est venu remplacer le DIF depuis 2017. Alors, on a deux régimes qui se sont succédés. Tout d'abord, entre 2017 et 2019, donc pour les années travaillées, c'est-à-dire les trois ans 2017, 2018, 2019, on avait un premier régime qui s'est mis en place, qui était de 24 heures par an, dans la limite d'un plafond intermédiaire de 120 heures, puis 12 heures par an, une fois qu'on avait 120 heures, il y avait 12 heures par an qui étaient alimentées dans un plafond de 150 heures. C'était simplement pour rappeler finalement la plus-value par rapport au DIF, où au DIF, avant, on était à 20 heures par an dans un plafond de 120 heures. Là, au niveau du CPF, on allait un peu plus loin puisqu'on allait jusqu'à 150 heures. Donc ça, c'est le premier régime pour les trois premières années de l'existence du CPF. On avait une subtilité également avec des droits majorés pour les agents de catégorie C qui ne disposeraient d'aucun diplôme ou de qualification correspondant donc au niveau 3, c'est-à-dire à un BEP ou CAP. À partir du moment où on est agent de catégorie C et qu'on ne dispose d'aucun diplôme ou de qualification au moins égal ou supérieur à un BEP ou CAP, on avait la possibilité d'acquérir des droits majorés et donc il faut se connecter du coup sur le compte personnel de formation et au moment de la première connexion, on va en fait vous demander votre niveau et votre catégorie et c'est à ce moment-là du coup que ça déclenche la majoration des droits. Il faut bien cocher cette case parce que tant qu'on ne coche pas cette case, on n'a pas le droit à la majoration des droits. Donc ça, c'est vraiment fondamental pour pouvoir bénéficier de cette majoration. Il faut vraiment remplir trois conditions, c'est être agent de catégorie C, ne disposer d'aucun diplôme ou qualification au moins équivalente au BEP ou CAP, hein, niveau 3, et cocher cette fameuse case comme quoi qu'on se déclare comme tel dans le compteur CPF. Donc ça, c'était le premier régime, le premier temps du déploiement du CPF. Et puis, il y a eu un deuxième temps, c'est-à-dire depuis 2020, hein, pour les droits qui ont été alimentés là en 2021 pour l'année travaillée de 2020, puisque les droits sont alimentés en fonction de l'activité professionnelle. Et donc, ils sont alimentés en général au printemps de l'année suivante. Et donc, pour l'année travaillée 2020, bah, si vous avez été vous connecter sur votre compte personnel de formation et si vous n'êtes pas au plafond, du coup, bah, potentiellement, vous avez vu apparaître 25 heures par an dans la limite toujours de 150 heures. Mais on a un peu simplifié finalement le régime. On a fait sauter hein, ce plafond intermédiaire de 120 heures et donc on a 25 heures par an. De la même manière que pour les droits majorés, on a 50 heures par an. Vous voyez que c'est plus simple que 48 heures par an. Par contre, le plafond reste le même puisqu'on peut aller jusqu'à 400 heures. Donc, vous voyez qu'à partir de 400 heures, là, ça commence vraiment à être très intéressant en termes de droit à la formation. Donc ça, c'est depuis 2020. Ce qu'il faut retenir pour l'alimentation des droits grâce à l'activité professionnelle, c'est que les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. C'est-à-dire que si vous êtes à 80% ou à 30% dans la fonction publique, hein, c'est vraiment une règle spécifique fonction publique, si vous êtes à temps partiel, vous acquérez du coup 25 heures par an au même titre qu'un temps plein. Ça, c'est vraiment plutôt un avantage de la fonction publique. Vous avez les mêmes droits qu'un agent à temps complet. On aura une proratisation des droits dans deux cas seulement. Un, pour les agents qui sont nommés sur des emplois à temps non complet ou incomplet. C'est-à-dire que par définition, l'emploi est à 30%, l'établissement n'a un besoin pour cet emploi d'ergothérapeute, par exemple, qu'à 30%, et donc il y a une fiche de poste et une ouverture d'emploi à 30%, et ben, c'est un emploi à temps non complet ou incomplet, donc pas à 100%, et donc, à partir de ce moment-là, vous n'aurez que 30%, dans mon cas présent, de droits, donc 30% fois 25 heures. L'autre possibilité de proratisation, bah finalement, c'est si vous arrivez dans un établissement, si vous signez un contrat dans la fonction publique en cours d'année.
hein, si vous travaillez que 6 mois dans l'année, vous n'aurez que 6 mois de droit, et donc 50% de l'année, donc de 25 heures auxquelles vous aurez potentiellement droit si vous étiez à 100% sur une année complète. Ce sont les deux cas de proratisation possibles dans la fonction publique. À noter également que certaines périodes d'absence, en raison de certains arrêts et de congés notamment, comptent pour l'alimentation des droits CPF. Alors, on vous en a mis les congés ou les arrêts, notamment maladie, maternité, les congés parentaux, etc. Ou même le temps de formation, hein, si vous partez en VAE ou si vous partez en formation, vous continuez d'acquérir des droits CPF au titre de votre compte personnel de formation. C'est automatique, vous n'avez absolument rien à faire. Et donc, ça, c'est plutôt favorable. Vous avez, si vous le souhaitez, on vous le communiquera en fin de webinaire, sur le site de la NFH, hein, nfh.fr, vous avez en fait l'ensemble de la liste des congés et des arrêts qui permettent en fait cette alimentation des droits en continu. Vous avez la liste exhaustive. Alors, quelques informations à retenir concernant cette alimentation en fonction de l'activité exercée. Donc, c'est une alimentation une fois par an au printemps de l'année suivante. Donc, c'est-à-dire pour l'année travaillée 2020, les droits se sont alimentés au printemps 2021, l'année suivante. Hein. Et ils ont là été alimentés puisqu'on arrive au mois de juin. Le printemps va bientôt se terminer. Et donc, les droits ont été alimentés pour la fonction publique. En général, ça se fait autour de mars-avril. Donc, ce n'est pas étonnant si dès janvier-février, vous ne voyez pas vos droits éventuellement affichés sur votre compte personnel de formation. Attendez, en général, ça arrive plutôt entre mars et avril. Et donc, les droits sont alimentés directement à partir des données sociales que les employeurs envoient à l'État, au même titre que les impôts. Hein, ce sont les mêmes données que Bercy, que les impôts récupèrent. Ils savent très bien ils savent très bien où est-ce qu'on travaille, de quelle date à quelle date, etc. Ben, ce sont les mêmes données que la Caisse des dépôts récupère, collecte, nettoie éventuellement, parce que des fois, il y a des doublons, vous pouvez avoir plusieurs emplois, plusieurs activités, vous pouvez éventuellement donner des cours, vous pouvez éventuellement exercer en libéral, avoir un 50% dans une clinique, etc., avoir des mandats syndicaux, etc. Donc, tout ça, ce sont des données, autant de données à nettoyer pour pas qu'il y ait de doublons. Et donc, c'est pour ça que c'est alimenté directement par la Caisse des dépôts au printemps. Donc, ce n'est plus à l'employeur, finalement, de gérer les droits comme c'était le cas pour le droit individuel à la formation. Et ça, c'est plutôt positif. Ça évite aussi une charge pour l'employeur et puis également les erreurs. Même si ça ne les évite pas, en tout cas, ça en élimine certaines. Également, vous n'avez rien à faire, ni en tant qu'employeur, ni en tant qu'agent. Une fois que vous avez été en formation, vos droits, hein, individuels à la formation ou vos compteurs CPF va se décrémenter automatiquement en une seule fois par la Caisse des dépôts à partir des informations que la NFH aura transmises finalement à la Caisse des dépôts. Donc, en tant qu'employeur, votre employeur va saisir directement sur GESFORM et GESFORM Évolution le fait que ce dossier-là, bien précis, de demande de formation de l'agent est tagué CPF, c'est-à-dire que l'agent a fait une demande d'utilisation de ses droits CPF, ça a été tracé, et donc l'employeur va envoyer cette information-là à la NFH, et la NFH va le répercuter également à la Caisse des dépôts. Et donc la Caisse des dépôts, une fois la formation finie, pareil, ça se fait en une fois, en général une fois par an, donc ça ne se fait pas dès le lendemain de la fin de formation, ça se fait plutôt l'année suivante ou en fin d'année, la Caisse des dépôts va décrémenter à la fin de la formation les droits qui auraient été mobilisés par l'agent directement. Il n'y a rien à faire par l'employeur, ni par l'employeur, ni par l'agent, simplement l'employeur. Il faudra bien cocher la case CPF dans l'outil de la NFH dans GESFORM. En cas d'alimentation erronée, il y a une procédure de régularisation qui est disponible sur le portail d'information des employeurs et des financeurs du compte personnel de formation géré par la Caisse des dépôts. C'est à l'agent, en fait, de signifier qu'il y a bien une erreur en se connectant, puisque lui seul peut se connecter à son compteur CPF, lui seul peut regarder son compteur CPF. Et donc, en se connectant sur son CPF, il va voir que du coup, il y a potentiellement une erreur d'alimentation des droits.
Et donc, c'est à lui de le dire à l'employeur. Et c'est l'employeur qui doit compléter une attestation qui est disponible en ligne sur le site de la Caisse des dépôts, sur le support que l'on vous transmettra. Il vous suffira de cliquer sur la petite image en bas, la portail d'information des employeurs et des financeurs. Et vous avez le lien qui vous en renverra directement vers le site internet de la Caisse des dépôts, vers le portail des financeurs et des employeurs. Et dessus, vous avez l'ensemble des informations qui sont disponibles, qui sont nécessaires pour éventuellement corriger cette alimentation erronée. Si l'alimentation est erronée, c'est qu'a priori, vos données sociales en tant qu'employeur ont été erronées. Donc souvent, ça vient de là, ou qu'il y a un mauvais calcul de la part de la Caisse des dépôts. Donc en tout cas, ce n'est pas à l'agent de le faire, c'est bien à l'employeur de le faire. Mais en tout cas, c'est à l'agent de bien dire à son employeur qu'il y a une erreur d'alimentation de ses droits. Donc là, on était pour les droits qui sont alimentés automatiquement, finalement, par l'activité travaillée de l'année précédente. Vous avez également la possibilité de mobiliser des droits complémentaires aux droits alimentés par l'activité. Et donc, vous avez plusieurs sources possibles de droits complémentaires si toutefois la durée de votre compteur CPF ne permettait pas de couvrir l'entièreté de la durée de la formation. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple un projet de formation, mettons de 250 heures, et que sur votre compteur CPF, vous êtes à 150 heures au plafond, et du coup, il vous manque potentiellement 100 heures, et bien là, vous avez la possibilité de demander un complément de droit auprès de plusieurs sources possibles. La première source, c'est l'employeur directement. Votre employeur public peut être intéressé par votre projet d'évolution professionnelle. On reviendra sur ce que c'est qu'un projet d'évolution professionnelle. Mais en tout cas, l'employeur peut être intéressé sur ce projet-là. Et au titre du plan de formation, il pourra éventuellement compléter le reste à charge si éventuellement il reste, là dans mon exemple, 100 heures pour couvrir l'entièreté de la durée de la formation. Deuxième possibilité, c'est la NFH, hein, le financeur de la formation auprès de qui cotise votre employeur public en tant qu'agent. La NFH a des fonds mutualisés, hein, ce qu'on appelle le FMEP et le FQCPF, c'est-à-dire le fonds mutualisé des études promotionnelles et le fonds de qualification du compte personnel de formation. Donc ce sont deux fonds mutualisés qui permettent éventuellement de couvrir l'entièreté de la durée de formation. Et donc là, la NFH et tout l'intérêt en fait, de ces fonds mutualisés pour l'ensemble des employeurs de la fonction publique hospitalière, la NFH pourra financer l'entièreté de votre dossier de formation. Et la demande est à faire par l'employeur, ce n'est pas l'agent directement qui fait la demande. L'agent ne fait la demande qu'auprès de l'employeur et ensuite l'employeur fait la demande auprès de la NFH. La troisième source complémentaire de droit, c'est la prévention d'inaptitude. C'est-à-dire que si le projet d'évolution professionnelle de l'agent permet de prévenir une situation d'inaptitude avant finalement de basculer dans une situation d'inaptitude, on est vraiment sur l'amont situation d'inaptitude, bah, automatiquement, vous avez droit en tant qu'agent à un abondement de 150 heures qui permet de se rajouter finalement à votre compteur de droit. Donc, si vous êtes à 150 heures déjà au plafond, ça vous permet d'avoir 300 heures à votre disposition. Et si vous êtes à 400 heures parce que vous avez des droits majorés, vous êtes agent de catégorie C et vous n'avez ni un BEP ou un CAP, et bien, du coup, vous avez 400 heures plus 150 heures. Donc, potentiellement, là, on arrive à 550 heures de droit automatiquement à votre disposition. Et donc, c'est un abondement qui se fait après avis du médecin du travail ou du médecin de prévention qui stipule que, effectivement, ce projet d'évolution professionnelle permet de prévenir une éventuelle situation d'inaptitude qui arrivera si vous continuez à exercer tel ou tel métier, telle ou telle fonction. La quatrième possibilité, c'est d'anticiper les droits. C'est-à-dire que vous arrivez dans la fonction publique, vous avez zéro heure, bah, potentiellement d'ici deux ans si vous êtes titulaire ou jusqu'à la fin de votre contrat en fonction de si vous êtes contractuel, vous pouvez anticiper les droits que vous allez acquérir. Et donc, si vous êtes à zéro heure, vous pouvez du coup anticiper potentiellement si vous êtes titulaire à 50 heures, hein, 2 × 25. Et si vous êtes sur un contrat de 3 ans, par exemple, bah, vous pouvez anticiper jusqu'à la fin de votre contrat dans la fonction publique. Donc là, ça peut être intéressant pour des personnes pour lesquelles il manquerait quelques heures de droits pour couvrir l'entièreté de la durée de la formation.
Et puis, la cinquième possibilité, c'est éventuellement de payer le reste à charge par l'agent directement. Ce que le compte personnel de formation apporte, hein, c'est vraiment, on le disait tout à l'heure, c'est un, la portabilité, le fait également que chaque agent a la responsabilité d'aller se connecter sur son CPF, d'aller prendre connaissance de ses droits individuels à la formation, de son compte personnel de formation, de faire les réclamations éventuellement lorsqu'il y a une erreur d'alimentation, et puis de réfléchir à son projet d'évolution professionnelle. Et ce qu'apporte le compte personnel de formation, c'est que du coup, l'agent va être de plus en plus en capacité, et c'est aussi grâce notamment aux autres mécanismes qui existent, avec notamment le conseil en évolution professionnelle sur lequel on va revenir, l'accompagnement de l'agent sur son projet d'évolution professionnelle, l'agent va être de plus en plus incité à se donner les moyens, du coup, de réaliser son projet d'évolution professionnelle et potentiellement, éventuellement, de couvrir le reste à charge si l'agent devait éventuellement rajouter 100 heures de formation. L'employeur peut très bien dire, je vous finance les 150 heures telles qu'acquises finalement sur votre compteur CPF, à vous de financer les 100 heures restantes éventuellement sur le temps de travail ou éventuellement en dehors du temps de travail. Tout ça, hein, ce sont des domaines de discussion en tout cas à initier avec l'employeur en fonction des projets d'évolution professionnelle. Si l'employeur a un intérêt à agir dans votre projet d'évolution professionnelle, si c'est un intérêt partagé, il y a du coup cet espace de discussion à trouver. Peut-être que l'employeur va finalement financer, on sera sur le cas numéro 1, va financer les 100 heures qu'il manquerait éventuellement sur votre compteur CPF. Là, c'est vraiment en fonction de chaque projet et en fonction de l'intérêt à agir auprès de l'employeur. Mais en tout cas, il y a cette possibilité de compléter éventuellement par l'agent directement. Donc là, on était sur la partie alimentation. On va basculer du coup sur les mobilisations possibles au niveau du CPF et notamment avec cette fameuse notion de projet d'évolution professionnelle. Donc le CPF est un ensemble de droits de formation mobilisables donc à l'initiative de l'agent, on en parlait tout à l'heure, à sa propre initiative. Pour une action de formation, hein, ce n'est pas du temps comme un compte épargne temps qu'on va prendre pour réfléchir. On est bien sur une action de formation, on est bien sur du temps de formation et une action de formation qui va permettre de préparer et de mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle. Alors, le projet d'évolution professionnelle peut avoir différentes finalités. Ça peut être un diplôme, un titre, une certification qui va être reconnue par l'État, c'est-à-dire qui va être inscrite à ce qu'on appelle les répertoires, le RNCP ou le répertoire spécifique, c'est-à-dire qui va être reconnu par l'État. Ça peut être également une action inscrite sur le plan de formation de l'employeur public ou s'il a une offre de formation qu'il a déjà présélectionnée pour lequel, du coup, c'est bien raccrochable à un projet d'évolution professionnelle. Et ce peut être également pour tout type d'action de formation qui ne serait pas reconnue hein, par l'État ou par une instance, une action de formation, par exemple, de quelques heures qui permet justement de réaliser un projet d'évolution professionnelle. Alors, je prends souvent le cas de l'exemple d'un ergothérapeute, je vais reprendre mon ergothérapeute de tout à l'heure, qui souhaite éventuellement basculer en tant que libéral, qui souhaite ouvrir un cabinet libéral. Bah, potentiellement, il faut qu'il connaisse un minimum de notions de comptabilité. Et s'il a besoin du coup d'une formation de 3-4 jours, par exemple, pour savoir tenir une comptabilité, savoir émettre des factures, etc., les règles comptables, les normes comptables, etc., bah, c'est bien un projet qui permet son projet d'évolution professionnelle, qui permet de réaliser son projet d'évolution professionnelle, qui est donc de monter un cabinet libéral. Et donc, c'est reconnu ni par un diplôme, ni par un titre, ni par une certification professionnelle, mais potentiellement, ça peut être du CPF. Maintenant, reste à savoir si c'est finançable éventuellement par l'employeur, par la NFH, etc. Ça, c'est une autre question au niveau du financement. Mais en tout cas, sur le principe, on est bien sur une action de formation qui permet la réalisation, la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. Sachant qu'il y a quatre priorités hein, dans la fonction publique hospitalière en termes de mobilisation des droits CPF. C'est un, la prévention de situations d'inaptitude à l'exercice des fonctions. On retrouve notre possibilité d'abondement derrière 250 heures. La formation pour acquérir les compétences clés. Et là, on retrouve notre socle de connaissances et de compétences, que ce soit le certificat CLEA ou que ce soit compétences clés, qui est un dispositif qui est développé également par la NFH. Ce peut être également pour valider des acquis de l'expérience. On peut modifier son CPF pour éventuellement une VAE.
ou pour éventuellement un module qui nous manquerait dans le cadre d'une VAE. Si vous souhaitez valider un diplôme ou un titre pour lequel il vous manquerait un petit complément de formation, bah, vous pouvez du coup mobiliser votre CPF. Hein, on est bien, à partir du moment où on fait une VAE, on est bien sur une sécurisation d'un parcours professionnel, on est bien sur un projet d'évolution professionnelle pour reconnaître votre expérience. Et donc, on peut mobiliser notre CPF. Et puis, quatrième priorité, c'est la préparation, concours et examen. À partir du moment où on prépare un concours ou un examen, bah, on est bien sur un projet d'évolution professionnelle. Donc, c'est bien du CPF, effectivement. Et donc, ce projet d'évolution professionnelle, finalement, il est protéiforme. Ce peut être de la mobilité professionnelle, ce peut être de la mobilité géographique. Je vais exercer le même métier, mais dans une autre région, éventuellement. Ce peut être pour avoir de nouvelles responsabilités, pourquoi pas, dans l'établissement, en dehors de l'établissement, une reconversion professionnelle. Alors, il y a le CFP, hein, le congé de formation professionnelle qui existe aussi, hein, ne pas confondre CFP et CPF, hein, même si les acronymes sont proches, on est bien sur deux dispositifs différents. Le CFP va pouvoir permettre de financer des reconversions professionnelles, donc à voir si ce n'est pas plus avantageux de basculer sur un CFP dans ce cas-là. C'est une question qui mérite en tout cas d'être posée. Ce peut être du coup une préparation concours, on en parlait tout à l'heure, une évolution professionnelle dans l'établissement, en dehors de l'établissement, si on veut changer de métier, de poste, de secteur, de fonction, une étude promotionnelle, une création d'entreprise éventuellement, pourquoi pas, hein, si je reprends la création d'un cabinet libéral par exemple, ou dans une toute autre activité, pourquoi pas, qui soit complémentaire éventuellement à l'activité aujourd'hui ou pas, qu'elle soit dans la fonction publique hospitalière, qu'il soit dans le secteur privé, le secteur libéral. Voilà, c'est peut-être des exemples de projets d'évolution professionnelle, mais en tout cas, la liste n'est pas limitative, elle n'est pas exhaustive. Et en tout cas, il faut, quoi qu'il arrive, se poser la question au moment où on veut utiliser son CPF, ses droits CPF. Quel est le projet d'évolution professionnelle? Est-ce que c'est bien un projet d'évolution professionnelle? Comment on le construit? Est-ce que c'est bien une formation qui me permet d'accéder à ce projet d'évolution professionnelle? Comment je le réfléchis? Comment je me projette dans ce projet d'évolution professionnelle? Est-ce que je vais avoir une augmentation ou éventuellement une baisse de rémunération? Est-ce que les horaires seront les mêmes ou pas? Est-ce que mon organisation professionnelle, mais aussi familiale, sociale, sera la même ou pas? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser au moment où on va réfléchir à son projet d'évolution professionnelle et au moment où on va vouloir du coup mobiliser ses heures CPF. Et on est bien sur un dispositif d'actualité, hein, comme on vous le disait tout à l'heure, puisque vous avez donc le développement de ce nouveau mécanisme, ce nouveau dispositif qui est l'entretien professionnel, hein, qui se développe depuis le décret de juin dernier, de juin 2020 déjà, ça fait déjà un an, puisque l'entretien professionnel se développe dans la fonction publique, les trois versants. Vous avez donc un certain nombre de thématiques que vous allez aborder avec votre responsable ou avec le service RH dans le cadre de l'entretien professionnel, hein, tous les ans. Vous voyez l'atteinte des objectifs, la manière de servir, les acquis de son expérience professionnelle, mais également les souhaits, les perspectives d'évolution professionnelle. On retrouve ce terme-là, hein, qui arrive, les besoins de formation, les objectifs. Et aussi le dernier point qu'on vous a mis dans une autre couleur, puisque lors de cet entretien, également, votre interlocuteur dans le cadre de l'entretien professionnel doit du coup vous informer sur les modalités de consultation, d'information des droits, mais également les règles d'utilisation des droits CPF. À défaut, il doit vous communiquer du coup cette information-là. Et donc, il doit connaître un minimum sur le dispositif. Et c'était aussi tout l'intérêt aussi de ce webinaire qu'on vous proposait justement pour également aussi former le personnel encadrant qui est aussi autour de ce webinaire aujourd'hui pour savoir un petit peu quels sont les détails de ce dispositif. Et donc, dans le cadre de l'entretien professionnel, vous aurez cette information-là sur le compte personnel de formation, sachant que sur le site de la NFH, on va vous mettre les liens après en fin de webinaire, vous avez également un certain nombre d'outils et de flyers, de guides qui sont à votre disposition, tant pour les agents, mais également pour les employeurs ou les représentants du personnel d'ailleurs, pour justement vous aider à prendre en main du coup ce nouveau dispositif qui est encore un peu jeune puisqu'il n'a que 3 ans d'existence.
Au niveau du process, de la procédure, on est bien sûr une demande écrite à faire auprès de son employeur public. Dans tous les cas, peu importe le projet, peu importe la nature, l'agent doit faire une demande par écrit auprès de son employeur public pour mobiliser son CPF. Ça ne passe pas par l'application, ça ne passe pas par le site internet, ça c'est uniquement pour le secteur privé. Dans la fonction publique, la demande se fait auprès de son employeur et par écrit. Le temps de travail, le temps de service est priorisé. Toutefois, priorité ne signifie pas exclusivité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien en tant qu'agent décider de faire, de mobiliser votre CPF et de suivre une formation en dehors du temps de travail. C'est tout à fait possible dans le cadre du compte personnel de formation puisqu'on est bien sur un projet d'évolution professionnelle de l'agent, de l'initiative de l'agent et donc il correspond peut-être pas aux souhaits, aux perspectives, à la stratégie de l'employeur et à sa gestion des ressources humaines, à l'évolution de ses services, etc. Et donc, potentiellement, vous pouvez suivre cette formation en dehors du temps de temps de travail. C'est tout à fait possible. On reviendra sur ces modalités, notamment côté RH, lors des deux prochains webinaires. Et l'employeur a 2 mois pour apporter une réponse motivée, sachant que tout silence vaut refus. Mais du coup, un refus qui ne serait pas motivé. À noter, si une demande a été refusée pendant 2 années consécutives, si une même demande a été refusée pendant 2 années consécutives, important sur un même projet, pour une action de même nature, du coup, avant le troisième éventuellement refus, il y a potentiellement une consultation hein, auprès, un avis consultatif auprès de la CAP, de la commission du coup paritaire qui va être compétente pour statuer sur cette demande CPF. Sachant que l'opposabilité, hein, comme je le disais en introduction, n'est que possible dans le cadre d'une formation qui permet du coup d'acquérir le socle de connaissances et de compétences. L'employeur ne peut refuser autant de fois qu'il le souhaite et pour tout motif, hein, que ce soit le calendrier, le financement, la nature également du projet d'évolution professionnelle, il peut refuser toutes les demandes CPF de l'agent. Il ne peut pas refuser en tout cas uniquement que le socle de connaissances et de compétences, donc compétences clés ou le certificat clé 1, donc c'est-à-dire le français, apprendre à compter, lire, l'informatique, etc., toutes ces formations, l'employeur ne peut pas refuser, il ne peut que reporter hein, d'une année ce type de demande. Mais il peut en tout cas reporter, mais pas refuser. Voilà pour l'alimentation. La mobilisation, maintenant, on va regarder la portabilité des droits CPF. Au niveau des droits CPF, donc avant de pouvoir les mobiliser, il va falloir activer son compte personnel de formation. Alors, 2 possibilités, soit l'application mobile qui est téléchargeable hein, sur n'importe quel système de smartphone ou tablette, hein, que ce soit Android ou Google, et également le site internet moncompteformation.gouv.fr. Tant que vous n'avez pas activé, vous continuez d'acquérir des droits. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas consulté comme les 30% de participants autour de ce webinaire, si vous n'avez pas activé votre CPF, ce n'est pas grave, il continue d'être alimenté. Hein. Ça ne gêne pas l'alimentation. En revanche, c'est intéressant de connaître du coup ces droits. Donc la première connexion va vous demander d'activer votre CPF et du coup, on va vous demander un certain nombre d'informations hein, pour vous connecter et pour activer votre CPF et pour vérifier surtout que c'est bien vous qui êtes titulaire du compteur CPF. Et donc, on vous a fait une copie écran de toutes les informations qu'on va vous demander, donc notamment des données sensibles, hein, ce sont des données personnelles, attention, à ne pas transmettre à n'importe qui. Vous avez aujourd'hui des campagnes d'information, des campagnes de fraude hein, qui sont organisées par certains organismes de formation. Alors, certains ne sont pas du tout organismes de formation d'ailleurs, hein, qui sont basés à l'étranger, et qui vous appellent directement, vous envoient des mails. Hein, c'est mon cas, je reçois toutes les semaines des mails et je reçois même des appels qui me demandent mes droits, qui me proposent des formations sur le CPF, qui se fait passer éventuellement par l'État, pour l'État, et qui me demandent mes données personnelles pour m'aider à éventuellement m'inscrire à une formation ou à connaître mes droits sur mon CPF. Surtout, hein, raccrochez, ne cliquez pas sur les liens, on est sur une campagne frauduleuse, hein, on est à peu près à 15 millions de fraude hein, aujourd'hui.
Donc là, ça c'est comme les autres dispositifs d'État qui ont eu un certain nombre de fraudes quand ils ont été lancés. On est sur vraiment une fraude massive là-dessus. Donc ne pas transmettre hein, les données personnelles, hein, notamment tout ce qui va être attrait à votre nom, prénom, votre numéro de sécurité sociale, le mot de passe, bien évidemment. Tout ça, ce sont des informations à ne pas transmettre. Donc il vous faudra donc toutes ces informations-là. Une adresse mail. Vous allez créer votre mot de passe. Alors, un mot de passe qui va être un peu compliqué parce qu'il va falloir 8 caractères, une minuscule, une majuscule, un chiffre, pour justement sécuriser à votre première connexion et puis ensuite la vie de votre CPF. Et puis, vous allez renseigner du coup votre diplôme le plus élevé et c'est ça qui va permettre du coup de permettre du coup la majoration des droits auxquels vous avez potentiellement le droit tous les ans, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est la première connexion. Ensuite, une fois que vous avez déjà votre compteur qui est déjà créé, bah, il suffira de vous réinscrire, enfin, de vous reconnecter pardon, sur le site ou sur l'application. Vous pouvez vous connecter directement avec France Connect, hein, qui permet en fait une seule connexion avec notamment Amélie pour la sécurité sociale ou les impôts, qui est le seul portail d'entrée du coup à vos droits. Et vous allez du coup pouvoir consulter vos droits à la formation que vous avez acquis par votre activité professionnelle. Alors là, plusieurs cas. Hein, vous allez peut-être avoir des cas, des droits en euros, des fois en heures, des fois uniquement en heures, des fois uniquement en euros, en fonction du coup de votre secteur et de votre historique, de votre expérience professionnelle. Si vous avez travaillé dans le secteur privé, bah, comme là c'est le cas pour l'exemple, vous avez acquis des droits CPF en euros. Si vous avez travaillé dans le secteur public, vous avez des droits en heures, comme c'est également le cas dans mon exemple. Et bien, si vous avez également travaillé dans les deux, ou si vous travaillez dans les deux aujourd'hui, vous êtes sur du 50-50, etc., ben vous avez les deux potentiellement, hein, comme c'est le cas dans mon exemple. Et donc, vous avez un troisième module en bas qui vous permet en fait de convertir vos droits que vous avez acquis dans un des secteurs et donc de rendre portables ces droits, puisque dans le secteur public, vous ne pouvez utiliser uniquement, je vois qu'il y a des questions dessus, vous ne pouvez utiliser que des droits CPF en heure. Et donc, il faut rapatrier, il faut convertir éventuellement, si c'est le cas, si vous avez travaillé dans le secteur privé avant, il faut convertir vos euros, comme là, c'est dans mon cas, il faut convertir vos euros en heures via ce module-là. Quand vous vous connectez, vous avez en dessous ce module qui apparaît et vous avez une règle de conversion qui existe, c'est-à-dire que 1 heure égale 15 euros et 15 euros égale 1 heure. De la même manière, si vous demain vous allez travailler dans le secteur privé, vous convertirez du coup vos heures en euros directement sur la plateforme. Il suffit d'aller sur ce module Convertir mes droits à formation qui vous est expliqué. Donc là, ça va être la règle, c'est la suivante, c'est que si vous travaillez aujourd'hui dans la fonction publique hospitalière, les heures s'imposent, c'est-à-dire que vos droits CPF sont en heures. Donc il faut convertir vos euros en heures. Si vous avez plusieurs employeurs, si vous avez un 30% et un 50% par exemple ailleurs, c'est votre employeur principal qui va s'imposer également. Donc, si votre employeur principal, c'est un employeur de la fonction publique, hospitalière, c'est cet employeur-là qui va s'imposer et donc vous devez utiliser votre CPF selon les règles de votre employeur principal et donc en heure. Si en revanche, vous êtes sur du 50-50, hein, vous êtes sous strict sensu du 50% privé, 50% public, ben là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez utiliser vos droits CPF, soit privé, soit public, et donc convertir et garder l'unité de votre compteur qui vous plaira, qui soit le plus favorable, vous, en tant qu'agent, finalement. Voilà les trois possibilités. Mais encore une fois, tout ça est expliqué quand vous allez cliquer sur « Je convertis » hein, en bas de ce module sur le site de votre compte personnel de formation. Donc finalement, si on reprend le process pour conclure un petit peu sur le CPF, on arrive au bout de 7 heures et puis on va garder du coup un quart d'heure de questions. On conclut un petit peu sur le process du CPF. On va activer du coup notre CPF en se connectant pour la première fois sur l'application mobile ou sur le site internet. On va pouvoir saisir notre niveau d'études, sa catégorie, pour éventuellement, le cas échéant, bénéficier de la majoration des droits. Ce qui va nous permettre de visualiser le montant total des droits, comme on l'a vu tout à l'heure sur les captures d'écran.
On convertit éventuellement les droits que l'on a pu acquérir dans le secteur privé et ou dans le secteur public en fonction de notre employeur principal et de notre expérience professionnelle précédente ou en cours. Je vais demander en tant qu'agent la mobilisation de mes droits par écrit auprès de mon employeur public selon sa procédure qu'il a préalablement définie. Hein, et ça fait l'objet notamment, pour faire un peu de teasing, sur les webinaires numéro 2 et 3, on en reparlera notamment auprès des responsables formation et des DRH sur ce que c'est qu'une procédure CPF. Justement, on accompagnera les différentes personnes en charge de cette procédure au sein de l'établissement. Mais en tout cas, l'établissement va définir sa propre procédure de mobilisation des droits et il faudra du coup demander la mobilisation de ses droits en tant qu'agent selon cette procédure telle que définie par l'employeur. Et l'employeur public devra également du coup se positionner sur la demande CPF de son agent selon sa politique de formation, qui est également donc un des thèmes que l'on va aborder ensuite lors des prochains webinaires. Et c'est à l'employeur de ensuite de réaliser l'ensemble des formalités, notamment auprès de la NFH ou de la Caisse dépôt. Et ensuite, du coup, l'agent peut partir en formation, sachant que tout au long de son parcours, et notamment pour définir ce qu'est son projet d'évolution professionnelle, il peut être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle qui peut du coup l'accompagner à la définition et à la mobilisation de son projet d'évolution professionnelle et aussi à la mobilisation de ses droits CPF. Et là, au niveau du CEP, donc du conseiller en évolution professionnelle, soit vous en avez un auprès de votre établissement ou dans un établissement voisin, soit vous pouvez mobiliser éventuellement la NFH et les conseillers de la NFH. À votre disposition, pour conclure, hein, vous avez sur le site internet de la NFH, il suffira de cliquer directement du coup sur ici la capture d'écran. Vous avez un certain nombre d'outils qui sont à votre disposition et notamment hein, ce flyer, ce guide qui vous réexplique un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur le CPF à la fois les règles d'alimentation, de mobilisation, de financement. Et puis, vous avez un certain nombre de foires aux questions, de questions-réponses et de plaquettes de sensibilisation qui sont à votre disposition et notamment auprès des employeurs pour déployer leur politique et leur procédure de mobilisation des droits. Voilà, je vous remercie pour votre participation au sein de ce webinaire. Du coup, on va répondre à vos questions, Madame Delgrange. Je vous laisse réactiver votre micro et puis me dire un petit peu ce qui s'est dit lors de ce chat. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions. C'est à vous, Madame Delgrange. Rallumez votre micro. Voilà. Voilà. Merci à vous pour vos questions hein, qui sont multiples et diverses. Hein. Donc, on va peut-être les prendre en séquentiel. Ça tourne effectivement sur les droits et sur les modalités de financement, avec aussi pour certaines questions une confusion entre CFP et CPF. Ou alors une erreur dans l'utilisation du logo. Bon, pour une première question. Un petit instant. Y a-t-il une quotité de travail minimum pour ouvrir les droits au CPF hein, dans ce qui a été vu là sur la comptabilisation donc, des droits selon le temps de travail hein, et les exceptions? Non. Donc là, une durée de formation, il n'y a pas de durée minimum, ni de formation, ni de droit que l'on peut mobiliser sur son CPF. En fait, il faut distinguer l'action de formation qui va être mobilisable pour le CPF. Est-ce que ça correspond bien à un projet d'évolution professionnelle? Et là, tout type d'action potentiellement est éligible au CPF, peut être mobilisé pour un CPF. Et il faut distinguer ça du financement. Au moment du financement, potentiellement, il va y avoir des limites. Et si vous mobilisez notamment les fonds mutualisés de la NFH, la NFH a défini ses priorités de mobilisation des droits CPF. Et donc, la NFH ne financera que des titres, que des formations reconnues sur un répertoire, par exemple, et qui sont sur le temps de travail et qui se déroulent dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle pour la fonction publique hospitalière, puisqu'on est sur l'argent des établissements de la fonction.
fonction publique hospitalière. Donc là, c'est plutôt le financement qui va venir poser ces conditions de mobilisation des droits CPF. Mais sur le principe, vous pouvez mobiliser une heure si votre formation ne dure qu'une heure, par exemple, à partir du moment où elle répond bien à un projet d'évolution professionnelle. Il faut bien distinguer le dispositif, le principe général du dispositif, du financement. Donc, question sur effectivement la possibilité de mobiliser un CPF. Qu'en est-il lorsqu'un agent est en arrêt de longue maladie? Alors là, pareil, je vous renvoie sur… c'est très difficile d'aller sur tous les cas, puisqu'on a les arrêts maladie, on a les congés, paternité, maternité, congé d'adoption, etc. Là, vous avez toute la liste. Je ne botte pas en touche, mais je pense que ce sera beaucoup plus exhaustif de renvoyer tout le monde sur le site de la NFH. Vous pouvez potentiellement, pendant un arrêt maladie, mobiliser votre CPF. Et ensuite, vous avez la liste qui est possible, notamment si ce sont les mises à disposition, par exemple. Vous avez toute la liste des possibilités, des modalités qui sont sur le site internet de l'ANFH.fr. Sur la foire aux questions, vous avez toutes les modalités dessus. Mais sur le principe, c'est possible. Oui. Il faut juste en fait, faire un arrêt, stopper l'arrêt pendant la durée de la formation qui permet justement d'avoir une formation. Bref, voilà, toutes les modalités, je pense qu'il faut mieux renvoyer sur la foire aux questions en fonction du coup des arrêts et des congés. Après, sur l'éligibilité de la formation au titre du CPF, j'ai un agent qui souhaite faire une formation praticien en hypnose ericksonienne, qui n'est pas un diplôme reconnu par l'État français. Peut-elle mobiliser son CPF? Comment le financer? Alors là, de la même manière, il faut vraiment distinguer le dispositif du financement. À partir du moment où c'est un projet d'évolution professionnelle, ce qui semble être le cas, si on le raccroche bien à un projet d'évolution professionnelle pour l'agent, ça peut être, c'est peut-être du CPF. Sur le principe, on coche bien la case CPF. Ensuite, il faut regarder du coup au niveau du financement. Et là, au niveau du financement, il y a trois possibilités de financement et c'est là que ça peut éventuellement restreindre. Et il y a des priorités qui sont définies. Il y a les deux possibilités de financement qui sont proposées par la NFH sur les fonds mutualisés. Le FMEP, est-ce que c'est une étude promotionnelle? A priori non, si c'est un diplôme étranger. Donc, ce ne sera pas reconnu sur le FMEP. Est-ce que c'est du FQ-CPF? Là, il faut renvoyer du coup aux conditions d'éligibilité du FQ-CPF. Et a priori non, si c'est un diplôme étranger de la même manière, puisque ce sont uniquement des diplômes et des titres et des qualifications qui sont reconnus sur les répertoires, les fameux répertoires dont on parlait tout à l'heure, reconnus par l'État français. Alors après, peut-être qu'il y a des règles justement de reconnaissance par l'État français de certains diplômes et peut-être qu'il est inscrit au répertoire. Il faut regarder sur le répertoire au cas par cas. Là, chaque cas va être vraiment différent. Donc, il faut regarder si c'est éventuellement finançable sur le FQ-CPF. Et la troisième possibilité de financement, là, ça va être auprès de l'employeur. Et là, il faut regarder du coup si l'employeur souhaite le financer. Est-ce que ça correspond à sa politique CPF? Est-ce que ça correspond à ses projets d'établissement, ses projets éventuellement d'évolution des services, sa politique de ressources humaines, son projet de soins éventuellement, sa gestion prévisionnelle des métiers et des compétences? Et tout ça, ce sont des sujets du coup qu'on va aborder notamment lors des deux prochains webinaires avec les responsables formation et des directeurs d'établissement et des DRH pour justement les encourager à définir une politique CPF au même titre qu'une politique de formation. Ils définissent bien une politique de formation sur le plan de formation chaque année de l'établissement. Et bien là, il faut regarder si ça intéresse également l'établissement. Si ça n'intéresse pas l'établissement, du coup, l'établissement peut refuser du coup la mobilisation du CPF. Je rappelle que sur le site de la NFH, vous avez accès aussi à la liste des diplômes éligibles au niveau du répertoire et de l'inventaire. Et cette liste est mise à jour au niveau du service juridique de la NFH. Alors, je ne vois pas la différence entre CPF et CFP. Donc là, j'ai répondu. Donc le CPF est bien le congé de. Le CFP est bien le congé de formation professionnelle. Qui est un dispositif individuel qui relève donc d'une cotisation obligatoire du 02. Les dossiers sont préparés par l'agent et soumis à l'autorisation d'absence de l'employeur
et instruit et examiné au sein de l'instance territoriale qui arbitre sur chacun des dossiers en fonction donc des critères et priorités dédiés donc au dispositif individuel. Donc ne pas confondre CPF-CFP, mais on le fait rapidement. Je vois qu'il y a une question sur la retraite. Hein. Une fois la retraite, les droits existent toujours. Comment cela se passe-t-il pour un retraité agent de la fonction publique? Alors non, normalement, les droits n'existent plus à partir du moment où l'agent a soldé l'ensemble de ses droits à la retraite. À partir du moment où il a soldé l'ensemble de ses droits à la retraite, le CPF va se fermer. Alors, le CPF ne se ferme pas automatiquement le lendemain hein, de la retraite. C'est souvent l'année suivante et la Caisse des dépôts le fait une fois par an pour l'ensemble des actifs de France, etc. Donc, ça met souvent un peu de temps. Donc, le principe, c'est celui-là, c'est qu'à partir du moment où il a la retraite, il ne peut plus mobiliser son CPF. De toute manière, il ne peut mobiliser son CPF que par l'intermédiaire de l'employeur public. Et donc, il ne pourra pas, de fait, puisqu'il est à la retraite, mobiliser ses droits. Donc, ça se clôt automatiquement à partir du moment où l'agent mobilise l'ensemble de ses droits à la retraite, le CPF se ferme. Donc, si c'est toujours pas fermé, parce que c'est en cours d'être fermé, et ça prend un peu de temps. Il y a une question sur la mobilisation du CPF dans le cadre des fonds mutualisés à NFH. Il faut savoir que depuis janvier 2019, avec la mise en place du fonds CALIF et CPF, effectivement, donc, nos instances nationales, au regard donc, des demandes d'études promotionnelles, considèrent qu'il s'agit bien là d'un projet d'évolution professionnelle pour l'agent. Ainsi, la mobilisation du CPF est inscrite donc dans toute demande d'études promotionnelles. Alors, ce qu'on demande effectivement dans le dépôt des dossiers d'études promotionnelles, c'est de s'assurer qu'effectivement l'établissement atteste bien de l'accord de l'agent sur la mobilisation de ses heures CPF, puisque c'est l'établissement qui est garant que la demande de prise en charge donc, vient bien en appui d'un accord de mobilisation des heures CPF qui appartiennent à l'agent. Donc ça, c'est effectivement donc, à remplir par l'établissement dès lors qu'il dépose un dossier de demande d'études promotionnelles lors des deux recueils annuels qui ont lieu. Donc, il y a pas d'obligation, enfin, il y a une obligation en quelque sorte de mobiliser les heures CPF pour toute demande de paie et à charge pour l'établissement, effectivement, d'obtenir l'accord dans ce sens sur le projet commun d'évolution professionnelle dans le cadre d'une étude promotionnelle. Alors, il y a une question un peu plus large. J'ai entendu parler du CPA. Qu'est-ce que c'est? Donc, le compteur personnel d'activité qui couvre un certain nombre d'éléments, dont le compteur personnel de formation. Alors, le CPA est issu donc, de la loi travail du 8 août 2016, la loi El Khomri. Hein. Le CPA est plus global que le CPF, c'est-à-dire que le CPA, originellement, il était conçu pour être la seule porte, la porte unique d'accès des droits individuels de n'importe quel actif de France, que ce soit les droits santé, retraite, assurance chômage et formation notamment. Et finalement, le CPA s'est réduit à trois comptes, hein, le CPF, le CEC qui est le compte engagement citoyen et le compte pénibilité, le compte professionnel de prévention, c'est l'ancien compte pénibilité qui a été réformé depuis par les ordonnances travail. Et donc, aujourd'hui, on ne parle pas de CPA. Alors, une raison politique, c'est-à-dire que c'est issu de la loi El Khomri, la loi travail qui a suscité un certain nombre de débats et le président actuel en tout cas et les politiques actuellement en place ne souhaitent pas reparler de cette loi. Donc c'est un objet juridique qui est
à demi appliquée, on va dire. Et d'autre part, aujourd'hui, seul le CPF fonctionne véritablement pour la fonction publique, puisque la fonction publique n'est pas éligible au troisième compte qui est la compte pénibilité. Hein, aujourd'hui, en tout cas en l'espèce, les agents de la fonction publique ne sont pas éligibles au compte pénibilité, même si ça pourrait l'être potentiellement. C'était d'ailleurs l'objet de la réforme des retraites, hein, puisque le projet de réforme des retraites qui a été abandonné avec la crise sanitaire, hein, l'année dernière, ouvrait la possibilité aux agents de la fonction publique d'acquérir des points pour la pénibilité. Donc, le compte pénibilité n'est pas ouvert, le compte professionnel de prévention, hein, qui est le nouveau nom du compte pénibilité, n'est pas éligible aux agents de la fonction publique. Et le compte engagement citoyen est un compte à part pour lequel tous les tuyaux ne sont pas encore raccordés, donc il ne vit pas encore véritablement. Et donc, aujourd'hui, CPA égale bien souvent un parabule langage CPF. Nous, ce qu'on vous invite à utiliser vraiment, c'est CPF, puisque c'est mon compte formation, hein, la communication qui est faite par l'État, et de vous focaliser vraiment sur le CPF, qui est le seul aujourd'hui, dans la fonction publique en tout cas, et pour l'ensemble des actifs, opérable. Voilà. Il y a plusieurs questions autour des sources de financement du compte personnel de formation. Donc, on a vu, il y a effectivement le financement dans le cadre des fonds mutualisés NFH avec le fonds CANIF et CPF, mais l'autre source est également le plan de formation d'établissement. Au regard de la politique que va définir l'établissement sur la mise en œuvre du CPF en termes de priorité, en termes éventuellement de règles de financement, hein, s'il peut y avoir des plafonds, et en termes de temporalité, un calendrier éventuel ou au fil de l'eau, la réception des demandes CPF dans l'établissement. Donc, le financement des heures mobilisées dans le cadre du CPF relève bien donc de ces deux sources à ce jour. Je reprends la question de tout à l'heure. Si quelqu'un a liquidé ses droits à la retraite et refait un cumul emploi-retraite et recommence à travailler, hein, c'est le cas de beaucoup de Français aujourd'hui, s'il recommence à travailler une fois qu'il est à la retraite, il a déjà liquidé ses droits à la retraite et donc son compteur est déjà clos. Et donc, par l'INSEE, il est considéré comme retraité. Et donc, si on suit le raisonnement, son CPF est clos, il ne va pas se réactiver. Aujourd'hui, en tout cas, les textes sont formels là-dessus. À partir du moment où il est clos, il est clos. Donc, ça ne réactive pas son CPF et ça ne permet pas de lui réalimenter des droits CPF si éventuellement il fait un cumul emploi-retraite. Il y a une autre question sur le CPF, sur le temps de travail ou hors temps de travail, qui demande donc, l'employeur peut-il imposer aux salariés d'utiliser son CPF hors temps de travail lorsqu'il n'y a pas de politique CPF au sein de l'établissement? Alors oui, c'est possible. Effectivement, on est bien sur cette notion-là, hein, le CPF, on est bien sur un projet d'évolution professionnelle à l'initiative de l'agent. C'est à l'agent, du coup, d'aller consulter ses heures acquises. C'est à l'agent de voir s'il y a des erreurs, de les signaler. C'est à l'agent de faire son projet d'évolution professionnelle et potentiellement, si on va jusqu'au bout, c'est à l'agent de se donner tous les moyens possibles pour réaliser son projet d'évolution professionnelle et donc éventuellement de le faire hors temps de travail. Ça peut être financé par l'établissement. On peut trouver du coup cet intérêt partagé, hein, et cet espace de discussion avec un financement éventuellement des coûts pédagogiques, des coûts d'enseignement par l'établissement, en contrepartie duquel l'agent va réaliser la formation en hors temps de travail, congé, repos, récup, RTT, soir, week-end, etc. C'est tout à fait possible. Donc, il peut à la fois financer le reste à charge, mais aussi prendre de son temps pour réaliser la formation. C'est tout à fait possible. Alors, il y a une question toujours relative aux études promotionnelles. Est-il prévu des calendriers fonds de qualification d'adéquation avec les demandes? Les demandes d'études promotionnelles donc, sont communiquées par les établissements dans le cadre des deux recueils annuels. Le premier étant fin d'année, décembre, pour les rentrées sur l'année N+1 et prochainement, donc juin.
Donc, deux fois par an, effectivement, les dossiers sont déposés. Quel est l'intérêt, alors plus largement, quel est l'intérêt de mobiliser le CPF pour l'employeur, étant donné que le financement est pris sur le plan de formation? Alors effectivement, il n'y a pas de contribution spécifique au CPF. Il n'y a pas de 0,2% par exemple qui est dédié au CPF, comme c'était le cas dans le secteur privé. Donc c'est à l'employeur de définir sa propre enveloppe, le propre montant qu'il souhaite éventuellement mobiliser sur sa politique CPF. L'intérêt, c'est justement d'accompagner les agents dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle et de déployer cette notion d'évolution professionnelle qui se déploie vraiment dans la fonction publique. On va vraiment là-dessus. L'intérêt, c'est de permettre la réalisation et de rendre effectif ce droit, puisque du coup, sinon, s'il n'y a pas de procédure, s'il n'y a pas de politique, l'agent ne peut pas mobiliser finalement son CPF auprès de son employeur et le droit n'est pas effectif. Donc l'intérêt, c'est aussi de rendre effectif le droit et potentiellement, c'est aussi mais on le verra dans les webinaires numéro 2 et 3, de valoriser son plan de formation. Aujourd'hui, on a des difficultés à recruter sur certains métiers, notamment dans la fonction publique, et d'autant plus dans la fonction publique hospitalière. On a un certain nombre de difficultés d'attractivité. Or, la formation est quand même une source d'attractivité par rapport au secteur privé, mais qui n'est pas assez valorisée dans le secteur privé. On n'a pas autant de droits à la formation. On ne peut pas aller en études promotionnelles durant 2 ans, 3 ans, pas se reconvertir autant que dans la fonction publique. Et donc, l'intérêt de mettre en place ce type d'enveloppe, ça permet justement de valoriser pour l'établissement son investissement dans la formation professionnelle en disant à l'agent, vous voyez, vous avez droit à 150 heures par votre CPF, mais moi, parce que votre projet m'intéresse, je conçois à éventuellement ajouter des heures, à venir compléter, à venir abonder votre projet de formation, votre compteur CPF, pour couvrir la totalité du projet d'évolution professionnelle. Et donc, il y a un enjeu vraiment de communication et de valorisation de l'investissement dans la formation par les employeurs publics auprès de leurs agents. Sachant qu'il ne faut pas oublier les priorités aussi qui sont fixées. Donc, au regard de la VAE, la prévention d'inaptitude, du socle de compétences. Donc, il est important effectivement de pouvoir inscrire ça dans le cadre d'une réflexion sur la politique formation venant mobiliser le compteur CPF. Je vais aller sur le question-réponse, parce qu'il y a aussi cet accès-là pour nous poser des questions. J'ai répondu à un certain nombre de questions sur le question-réponse. Ah oui, bon, oui. On retrouve un certain nombre de Je questions de retrouve la les même réponses qui manière. nous ont été formulées. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que la politique d'établissement doit être, vis-à-vis du CPF, doit être écrite dans les lignes de gestion, directrice de gestion? C'est une bonne question. Alors, la politique CPF a strictement sensu non, parce qu'en fait, la politique CPF, c'est un élément de votre politique de formation. C'est une ligne dans votre politique de formation, quelque part. C'est à vous de dire dans votre politique de formation en tant qu'établissement, comment vous gérez le CPF, au même titre, finalement, que comment vous gérez et vous régulez vos demandes VAE, vos demandes CFP, vos demandes éventuellement de formation individuelle de la part de vos agents, et puis comment vous proposez des formations réglementaires, institutionnelles, etc. Donc finalement, la politique CPF, ce n'est pas une politique en tant que telle qui va vivre en tant que telle, indépendamment du reste, c'est un élément de votre politique de formation. Donc, du coup, c'est plutôt votre politique de formation, en fait. La question est plutôt sur votre politique de formation. Si les heures agents n'ont pas été renseignées, que peut-on faire? Alors, ça, il y a eu beaucoup de questions là-dessus et peut-être qu'on va conclure sur cette question, parce que je vois qu'il y a des participants qui commencent à partir, effectivement, on déborde un petit peu là, en termes de temps.
Effectivement, il y a des questions si les droits d'IF n'ont pas été renseignés. Donc, il y a deux questions. Est-ce que les droits d'IF ont été renseignés? Est-ce qu'il y a une mauvaise alimentation des droits CPF? Si les droits d'IF n'ont pas été renseignés, ce n'est pas une problématique du coup de vos DADS, puisque en fait, c'était à vous, en tant qu'employeur public, enfin, c'était à l'employeur public, de renseigner les droits d'IF de chacun de ses agents présents au 31 décembre 2016. Hein, c'était vraiment 31 décembre 2016, à la fin du dispositif du DIF. Donc, si l'établissement ne l'a pas fait ou ne l'a pas correctement fait, pas de panique, puisque c'est au moment où les droits ne sont pas perdus, l'agent doit bien garder son attestation de droit DIF au 31 décembre 2016, alors, qui était des fois une feuille volante qui était jointe au bulletin de salaire ou éventuellement au bulletin de paye ou éventuellement qui était inscrite directement sur le bulletin de paye de fin 2016 ou début 2017. Hein, il y avait une petite ligne solde de droit d'auteur DIF. Donc, bien garder cette attestation-là ou ce bulletin de salaire et le joindre au moment de la mobilisation des droits CPF. Et donc, il faudra ajouter. Il faudra faire la somme entre vos droits CPF qui ont été alimentés depuis 2017 et les heures DIF que vous avez, que vous auriez eu droit en fait au 31 décembre 2016. Et donc vous faites la somme des deux. Quoi qu'il arrive, les deux ne peuvent pas dépasser les 150 heures puisque les droits DIF, s'ils avaient été alimentés correctement, sont devenus des heures CPF, des droits CPF, et donc comptés pour le calcul, le plafond de 150 heures. Donc, quoi qu'il arrive, on ne peut pas déplacer 150 heures, heure DIF plus heure CPF. Donc, ce n'est pas perdu, c'est au moment de la mobilisation des heures CPF, il faut bien joindre cette attestation, et en fait, il y aura un rattrapage auprès de par la Caisse des dépôts, elle viendra faire plus et moins, viendra faire le rattrapage à ce moment-là. Donc, il faudra bien joindre et prendre en compte du coup cette attestation et ces heures d'heure DIF. Bien. Donc, on va peut-être conclure puisqu'on avait projectif de tenir un format court. Donc là, on a déjà débordé d'un quart d'heure. Donc, vous avez les deux autres webinaires pour certains participants donc, qui souhaitent donc, aller un peu plus loin dans la démarche et qui sont concernés par la mise en œuvre du CPF dans leur établissement. Et puis, effectivement, toutes les questions autour de la stratégie CPF dans le cadre de la politique formation d'établissement pour le troisième. Voilà, donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir à nouveau le lien, parce que j'ai vu une question, une demande dans ce sens-là, envoyez-moi un mail hein, de façon à ce qu'on puisse vous renvoyer donc l'invitation. Voilà, donc je vous remercie pour cette participation active. Qui était un premier essai pour nous hein, sur un format très court, avec bien évidemment un certain nombre de questions. On espère avoir répondu à toutes les questions, mais pas toutes. Hein. Et pour les demandes de précision complémentaires, bien évidemment, je vous invite à aller sur le site de la NFH, puisque la foire à questions est très riche hein, et vous y trouverez bon nombre de réponses. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et à votre disposition pour toute question supplémentaire sur le sujet. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Au revoir. Au revoir.